les amis, alors je pense que là, Yves Paris, il faut que je vous dise quelque chose, il faut que je vous le prévienne, enfin que je vous le mentionne parce que c'est quand même sympa. Ben, j'ai raté mon train en fait, voilà. Mais c'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'avais raté mon train parce que j'étais tranquillement en train de me brosser les dents et Chloé qui me dit « Mais Jou, tu dois partir à quelle heure ?» J'ai dit « Ben, à 9h. » Elle me dit « Mais il est 9h30. » Je dis « Mais non, tu blagues. » Elle me dit « Non, non, Jou, il est 9h30. » Et je la croyais vraiment pas. Puis j'ai dit « Mais non. » Elle me montre l'heure, 9h35. En fait, c'est même pas que tu l'as loupé. C'est que t'as même pas essayé de le prendre. Ah oui, non. Mais non. Ah, ben après, au bout d'un moment, on est lucide. On est lucide. On n'y va même pas. Du coup, voilà. Voilà. C'est bien, c'est bien. Bon, ben du coup, on est à l'aise. Hein, voilà. Ça sera à Marseille fin de journée et non début d'après-midi. C'est cool. On va avoir le temps de ranger l'appart. Tranquillement, le temps de faire les valises. Puis ça fait des... Ah, j'ai réussi quand même. C'est fini déjà, ça demande chance. Ça n'a pas marre de faire le beau. Aujourd'hui, je suis beau. Donc, ça va, tu vois. Hier, non. Tu vois, aujourd'hui, je suis là, non. Bon. Voilà. On n'est pas chargé. Et moi, toujours dans le thème Pyjama Life. Faut que je vous raconte. Attendez, je pose le téléphone et je vous raconte parce que il y a de quoi dire. Je fais que des bêtises depuis ce matin. Là, je viens à l'instant de renverser mon verre. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai failli rater une seconde fois mon train et racheter une troisième fois un billet parce que je trouvais plus le billet dans mes mails. Heureusement, on est venu me sauver. Parce que je vais commencer à prendre des parts chez SNCF. Moi, en fait, j'aime bien comme ça. Crac, cadeau, Noël. Bref. Tu poses là? Dis-moi ce qu'il en reste. Bonjour. Au revoir, Paris. Oh putain, quoi, c'est le retour à Marseille. In my head, I know what you think. He knelt to the ground and pulled out a ring and said, "Marry me, Juliet. You never have to be alone." Tadam, c'est bientôt Noël. Comme d'hab, je vous repartage mon code promo pour les culottes de Blinks. Désolée pour ma voix, je sais que c'est pas agréable à entendre, mais je sais pas ce qui se passe, elle s'est fait la malle. Bref, je vous montre les deux modèles que j'ai, parce que c'est vrai que chaque fois, je vous en montre que soit l'un, soit l'autre. Là, au moins, vous avez les deux pour comparer. Je vous montre également la manière dont elles sont cousues. Alors, regardez bien, je vais mettre le flash. Alors là, vous voyez mieux. Pour vous montrer, vous voyez ici, là, en fait, donc à partir du haut de la culotte jusque derrière qui prend tous les fesses, vous avez trois épaisseurs complètement étanches qui vous permettent justement de ne jamais avoir de fuite, de pouvoir absorber entre 6 et 8 heures de cycle, d'accord, concrètement. Au niveau du lavage, en fait, c'est hyper simple. Vous le passez dans le lavabo, vous mettez un coup d'eau et vous le mettez à sécher et c'est ultra rapide. Pour dormir la nuit, c'est la bombe, rien qui vous gêne. Vous êtes complètement en sécurité, pas de fuite, rien, pas d'odeur. Pas de contact avec le sang. Et quand vous faites du sport aussi, c'est génial parce que regardez, ça vous prend bien toutes les fesses et vous n'avez aucune peur de fuite. Du coup, c'est trop bien déjà pour celles qui ne sont pas du tout adeptes des cups, des tampons, qui sont un petit peu gênées par les serviettes. Et de deux, pour celles qui n'ont pas aussi forcément les moyens, parce que croyez-moi que ça coûte un bras si on fait le total à la fin de l'année de combien on met dans les protections hygiéniques, parce que les culottes comme ça, vous pouvez les garder jusqu'à 5 ans. Donc niveau économie, respect de la nature aussi, plus de déchets tout pourri à la poubelle. Donc très très fan, voici mon code promo.